C'est bon. Et hop. Eh, on est nuls, on aurait dû faire des cours. Oh, j'avais trop hâte, tu vois. Avec un peu de chance, il y a encore des vieilles provisions qui restent. Voilà, c'est ici qu'on se retrouvait le soir. Alors là, c'était le fauteuil de mon père. Et avec lui qui avait le droit de s'y asseoir. Il restait là, il passait des journées entières à lire. Qu'est-ce que tu regardes? Tiens, depuis le temps que j'ai cherché. Elles sont à ma mère. Mon père lui avait offert pour leur anniversaire de mariage. Et maintenant, ils ont divorcé, c'est con. Alors, ça vous plaît, les frangis? C'est un palais, tu veux dire. Tous ces bouquins! Si mon mari voyait ça... Tu vas pas commencer! On a dit sur les vacances de filles. Les mecs craignent pas. Ils sont vieux, dans plein de langues différentes. Ouais, n'empêche, elle est trop, cette maison. Pourquoi ta mère veut pas la garder? J'aime presque plus maintenant que je suis grande. Ça revient trop cher à entretenir, il y a des fuites partout. Si pleut, vous allez voir, ça va être les bonnes pieds à domicile. Alors là, c'était ma chambre. Il y a encore la maison de poupée. Elle me plaît, cette chambre. Ça te va bien, c'est toi la petite fille. D'accord, à te juger, toi, Marielle. Moi, ça m'est égal. Du moment qu'il n'y a pas d'araignées, j'ai hâte des araignées. Putain, ma vieille, c'est la campagne. Il y a des araignées dans les baignoires, il y a des serpents dans les champs. Bouge pas. Non! Une chambre d'assassin. C'est ici qu'on jouait au jeu de l'assassin quand on était petit. À cause de la comtesse, on éteignait la lumière, on se faisait des frayeurs. Quelle comtesse? T'as une comtesse dans ta famille? Mais non, à cause du fantôme de la comtesse. Chut, écoutez, elle est là, elle nous écoute. Arrête. Non, mais je rigole pas, vous croyez pas aux fantômes? Il y avait une comtesse dans cette chambre dans les années 30. Dis-moi, c'est elle? Ça, c'était son secrétaire. Elle est morte noyée. On ne sait pas si elle s'est suicidée. Regardez. J'ai découvert le mécanisme. J'ai mis des années, mais j'ai fini par trouver. Il faut tourner un tout petit bouton. C'est quoi, ces lettres? Des lettres d'amour de la comtesse. Non. C'est les lettres de son chauffeur. C'était son amoureux. Il se voyait la nuit en cachette quand tout le monde dormait. Dans mes cours. Pas de blague, hein? T'es là pour étudier, lui. Jeanne, ça t'embête pas si je passe un petit coup de fil? La ligne est coupée, tu sais, comme ça va être vendu. Oh, enfin, j'avais promis. Tu veux téléphoner à ton mari, c'est ça? Non. Bah, juste pour lui dire qu'on vient d'arriver. Le téléphone, c'est chez Pascal, les autres, je les connais pas bien. C'est loin, je peux aller à pied? Viens. C'est juste à l'entrée du village, je vais t'accompagner si tu veux, on va prendre la voiture. Mais on mange pas avant, je meurs de faim. En attendant, tu prépares à bouffer. Il garantit pas le résultat. J'en reviens pas d'être ici. J'avais un peu peur de quitter la librairie, surtout en ce moment. Et il a rien dit, ton mari, que tu partes sans lui? Oh, il sait que j'étais naze. Puis j'avais envie de m'éloigner un peu, de me retrouver, quoi. Et toi, tu vis avec quelqu'un? Moi, je sais pas comment je fais mon compte, mais je tombe toujours sur des hommes mariés, pour des 5 à 7 minables, à croire que je les attire. C'est pour ça que je me suis taillée, je leur ai dit que je prenais 15 jours de congé. Tu veux quoi comme boulot? Je travaille au ministère des Finances. Non. Très romantique. Okay. Il est tard, on va pas le déranger. Mais tu vois bien, c'est encore allumé.
jour, Léo. Tu te souviens de moi? Pas tellement. Tu m'as complètement oublié. Ton père est là? Léo, je t'ai déjà dit de ne pas ouvrir sans demander qui c'est. Jeanne? Mais t'es là depuis quand? Ouais, on vient juste d'arriver, puis on est là, quoi. Ça te va bien, les cheveux longs? Ça te change? Ah oui, c'est vrai, avant ils étaient courts, tu trouvais ça moche. Voilà, je te présente Marielle, elle voudrait téléphoner, c'est possible? Bonjour. Non, mais ça me fait avant le c'est pour ça. Tu la reconnais pas? Pas tellement. Pas tellement. Bah, venez téléphoner? Oui. Moi, je te montre. Alors, comme ça, la maison va être vendue? T'es au courant? Bah, j'ai vu la pancarte. C'est drôle, ta mère, cet hiver, je lui ai refait les gouttières, elle m'en a pas parlé. Oui, tu me fais le numéro? Je suis venue une dernière fois prendre quelques affaires. Faire mes adieux, quoi. Ah, moi aussi, tu viens faire tes adieux? Mais non. T'es mais bête. Non. Après, est-ce que je devrais t'engueuler? Pas une lettre, pas un coup de fil. C'est vrai? Ben, pareil pour toi, hein? Alors raconte le garage, la petite, tout ça. Bah, ça se passe bien. C'est ton soeur? Oui. C'est moi. La petite, c'est un amour. Ça va? Elle me fait hurler de rire parce qu'elle veut être garagiste. Alors elle connaît le nom des clés, elle dit ça c'est du 8, du 9, une clé à pipe. Elle s'appelle Léo. Elle a des grandes dents. Qu'est-ce qu'elle a grandi, ça me fait un choc. C'est fou ce qu'elle ressemble à Odile. Non, elle est ici. Tu t'es remariée? Tu veux lui parler? C'est qui cette fille, moi? En fait, je la connais sur sa sœur, Colombe. L'année dernière, on allait au même club de gym. Ça venait toutes les copines. Tu fais de la gym, toi? Oui, regarde, je trappe du ventre. Alors, je me suis inscrite au club de gym. Fais-moi rire, fais la mouche. Oh. C'est là, l'autre. L'autre, la guêpe. Je suis heureuse de me retrouver ici. En tout cas, ça me va bien fou. Tu manques. Au début, j'avais peur. Je n'avais pas le courage de revenir toute seule dans cette maison. J'aurais dit qu'on avait... En fait, on devait venir à deux avec Colombe, puis elle n'avait pas de voiture. Alors, elle a dû ma soeur en a une. Je voulais lui emprunter. Et voilà. Moi aussi, je te plains. Et puis, je te rappelle demain. Oui, promis, juré, craché. Ça m'arrive jamais. Allez, je t'embrasse. À demain. Ça y est, ouais, ça n'a pas été long. Ça va, tu l'as eu, il va bien dormir cette nuit. Oh, tu fiches pas de moi. Je vous dois combien? Je vous enverrai la facture, une bonne facture, bien. Hé, tu fais une copine, toi? Youhou. Écoute, je t'invite un soir parce qu'on passe la première soirée entre filles exclusivement. Interdit aux mecs. Et moi, papa, je suis pas un mec. Ah, toi, là, t'as le droit. Toi. Une mammouth. Il y a la tête de ma fille quand je fais une mammouth. Et merci, hein. La vie, on est appelé à se revoir. Là, vu le bruit de vos culbuteurs, vous entendez pas? Ah bah ça fait un drôle de bruit. À peine, mais bon. Enfin, si un jour vous avez eu 5 minutes passées, c'est un petit réglage de rien du tout. Quand on était môme, on était toute une bande, on était inséparables. Enfin, moi, je venais juste pendant les vacances. Et puis après, quand on a grandi, c'était plus pareil. Pascal a 15 ans, il bossait déjà au garage. C'était pas le même monde. Puis un jour, il m'a annoncé qu'il voulait se marier. Je me rappelle le jour des noces, j'ai dansé comme une folle. Après ça, je suis presque plus jamais revenue. La dernière fois, c'était il y a 3 ans. Quand sa femme est morte, j'étais là pour l'enterrement. Qu'est-ce qu'elle a eu? Un cancer. J'ai trouvé un bahut près de mon lit. Tu m'as fait peur. Je t'ai prise pour le fantôme de la comtesse. Oh. Qu'est-ce qu'on mange? Une boîte de petits pois. Oh non! J'espère qu'elle est pas prête. Des pois, une boîte de petits pois. Oh, et puis je les conserve, il paraît que ça coule jusqu'en haut.
La la la. Alors la flémarde. Je sais pas comment vous faites. J'étais si bien dans mon lit. Je peux faire la grasse matinée si tu veux. Non, c'est trop palpitant. Toute cette journée qui nous attend. Ouais, surtout pour toi. Aujourd'hui, tu révises ta philo. Interro-écrit tous les midis. Bon, à la douche. Quand je pense à Renaud, il aussi doit être en train de boire son café. Pourquoi tu l'oublierais pas un peu, vraiment? Ou alors tu aurais dû lui dire de venir? Non, c'est pas possible. Jeanne, je veux pas t'effrayer ni quoi que ce soit, mais ça me rassure qu'on se connaisse à peine. Je voulais dire... Jeanne, où sont les serviettes? Je sais pas très bien ce qui reste dans la maison, mais dans la salle de bain, t'as une panière. Regarde ce qu'il y a. Fouille! Elle est incroyable, ta sœur, au cours de gym, c'est la même chose. Elle passe son temps à se promener toute nuit dans les vestiaires. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien. Enfin, je suis heureuse d'être là. Tiens, regarde ce qui nous arrive. Coucou. Eh, vous avez vu ma canne à pêche? C'est papa qui me l'a fabriquée. Léo, je t'ai déjà dit de pas crier. Après les poissons, pfft. Salut Pascal, tu veux qu'on aille se baigner un peu plus loin? Non, 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 ça va là, on va y aller, il est midi. Allez hop. Déjà? Oui, on reviendra. Allez, prends la bourriche. Papa, j'en ai un, papa. Viens, pas de panique, Léo, viens. Vas-y, faire. La main au-dessus du moulinet, la main là, la main là, la main là. La main là, il faut lui dire comment, vas-y, viens, viens. Moi, je suis ta fille. C'est une championne, ma fille. Mais regarde ça. T'en as pêché d'autres? Non, mais on vient d'arriver. On vous chasse pas quand même. Penses-tu? Faut que je fasse manger la petite. Et après, je retourne au garage. T'es fière? Eh. Allez, bonne journée, hein. Dis donc, elle est sauvage. Elle ne revient pas. Un type qui se jette pas à ses pieds. Vous avez vu mon maillot? Il est super. Bon, je vais me baigner. Salut les filles. La première fois que je suis venue ici, bon, ma mère m'a raconté ça après, moi j'étais trop petite. Il paraît qu'il y avait Pascal qui barbotait, il savait même pas encore nager. Et moi je l'ai montré du doigt comme ça, énergique. J'ai dit, maman, lui je l'aime. Après elle a raconté ça devant tout le monde, j'étais morte de honte. Et les filles, vous venez vous baigner ou quoi? Ouais, on arrive. Pas moi, elle est trop froide. Ça m'aurait étonné. Et toi, tu t'en rappelles de ton premier amour? C'était Renaud. Non, c'est vrai? Oh, t'as de la chance. Non, mais sincèrement, je crois que c'est l'homme de ma vie. C'est pas toujours marrant, hein. Une fois, on a même failli se séparer. Ah ouais? Je sais qu'il m'a trompée à ce moment-là. Non. Ouais. Et moi, je suis conne, je pardonne. J'aimerais tellement avoir un sale caractère. Casser la vaisselle, avoir 15 amants. En même temps, ça me ferait peur, hein. Tu travailles avec lui, tu manges avec lui, tu dors avec lui. Je suis pas en train de dire.
Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Vous vous êtes perdue, bonjour, je veux vous aider. Bonjour mademoiselle. Ah, moi je suis une madame. Elle, c'est une madame. On a vu la pancarte, ça fait quelques jours, et puis là on s'est rendu compte que la maison était ouverte. Oui, et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Déjà visiter, voir si ça nous conviendrait, et puis après voir pour les modalités. Vous voulez visiter là, maintenant, comme ça? C'est pas rangé, on vient à peine d'arriver. C'est pas grave, on se rend pas très bien compte. Déjà, le jardin est magnifique. Hein, Jacques? Un peu en friche, mais on peut en faire quelque chose avec un bon coup de tondeuse. Ce sera bien pour les petits. On pourrait voir l'intérieur. Écoutez, aujourd'hui, non, c'est pas tellement le moment. Mademoiselle, pardonnez-nous de vous déranger. Je sais que c'est le week-end, mais en semaine, c'est plus difficile. Ah oui, peut-être, mais là, vraiment, la maison n'est pas en état. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur le jardin, si vous voulez. Bon, alors, le jardin... Ici, vous avez la corde à linge fournie avec des pinces à linge assorties, vous voyez. Et puis, de l'autre côté, une vieille balançoire toute rouillée qui ne sert absolument plus à rien. C'est intéressant pour les enfants, à condition qu'ils soient vaccinés contre le tétanos, bien entendu. Là, vous avez la nymphe du jardin, une charmante colombe, pas tout à fait aussi blanche qu'elle n'y paraît, surtout quand elle sera bien bronzée. Malheureusement, elle n'est pas à vendre, ça ne va pas avec la maison. Non mais attendez, là. Vous mettez une pancarte à vendre, alors faudrait savoir. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Hein. Bonne journée. Jeanne, Jeanne, dis-moi ce que tu es. Mais qu'est-ce qui t'a pris, c'est formidable. Mais la tête qu'ils ont fait quand elle est pour le tétanos. Non mais alors là, mais c'est une catastrophe. Je suis vraiment trop conne. Maintenant, elle va aller dire partout que la maison n'est pas à vendre et plus personne va venir. Mais si ma mère apprend ça, mais elle va me tuer. Enfin, Jeanne, je te comprends pas. Si c'est ça, pourquoi tu les as foutues? Mais oui, c'est ma maison, elle est à moi. Encore quelques jours, c'est pas trop demandé. Je vais pas aller voir commencer à rentrer ce soir dans le fauteuil de mon père, ouvrir les livres. Quand je serai plus là, oui, mais pas tout de suite. Ah, moi je trouve que t'as complètement quoi. Parce que, vraiment, il a vu ça trop. Jeanne, il a vu ça trop. Merde! Mais il y en aura d'autres. Coucou Léo. C'est dommage, t'aurais dû rester, on allait se baigner. Tu sais nager? Ouais, même je sais faire la brasse-papier. T'es toute seule? Il n'est pas là, ton papa? Si, mais il est dans la salle de bain. Il met du carrelage. Il ne dérange pas si je viens téléphoner? Non, non. Je suis allée au bistrot du village, mais le téléphone, il est sur le comptoir. C'est pas pratique. Tout le monde me regardait. Bon, je retourne à ma marée. Renaud, t'es encore à la librairie? J'avais peur qu'il soit trop tard. Enfin, t'es là, c'est le principal. Ça va? T'as eu plein de boulot? Attends, je ne me tourne pas les pouces pendant 2 semaines de vacances, t'étais d'accord? T'as qu'à engager la petite de l'imprimerie Bayon si tu t'en sors pas tout seul. Bon, Renaud, on va pas se disputer. Rien, je voulais dire bonsoir, c'est tout. Pour savoir si ça allait. Bon. Faut que j'y aille maintenant, les filles vont se demander ce que je fabrique. Non, tu peux pas m'appeler, le téléphone c'est chez le voisin. Moi je te rappelle demain. On promet. Plus j'étais. Je t'embrasse. Ça va, c'est bien passé le coin de fil. Tu sais, tu peux téléphoner aussi longtemps que tu veux, hein, je plaisantais. J'avais pas très envie ce soir. Je t'emmène jusqu'à la porte, on sait jamais. Oui. Ça n'a pas l'air d'aller. Marielle. Léo, apporte-moi un verre d'eau. Marielle, qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qui va pas? Non, ça va, ça y est. Tu m'as foutu les jetons. J'appelle le docteur. Non. Viens. Je t'assure, ça va déjà. Ça va déjà mieux, on sait jamais. C'est plus prudent. Tu sais, ma femme, elle avait souvent des vertiges et si on s'y était pris à temps, il habite à 2 pas, il sera là dans un quart d'heure. Oui, docteur Vernier? J'attends un bébé. Excusez-moi, je suis trompé numéro. Excusez-moi. J'ai même pas dit à mon mari. C'est ça que je voulais lui annoncer ce soir. J'ai pas le courage. Merci. Merci, mon amour. Allez, je vous dehors, il y a du soleil. Allez. Il va bien falloir que tu lui dises. Je sais.
C'est même pour ça que je suis partie. Il fallait que je prenne du recul. Je me rappelle quand je me suis retrouvée enceinte pour la première fois. C'était il y a 3 ans. J'étais folle de joie. C'était tout ce que je rêvais. Puis Renaud m'a fait comprendre qu'un enfant, c'était pas... Bienvenue, on dit ça. Enfin bref, qu'il en voulait pas. Alors ensuite, pendant 2 heures, je me suis dit que c'était pas la peine, qu'on verrait plus tard, que peut-être il changerait. Puis là, je l'ai pas fait exprès, tu sais. On prend des précautions avec Renaud. C'est lui qui me rappelle toujours pour ma pilule le soir. Mais je veux le garder, ce bébé. Tant pis si Renaud me fout dehors, je le garde. Attends, quoi s'il te fout dehors? Mais faut déjà lui dire, c'est la première chose. Si ça se trouve, il sera très content. Tu me racontes tout ça, Marielle, alors qu'on se connaît à peine. Bon, là, je vais me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais si jamais ça ne s'arrange pas avec ton mari, enfin bon, je veux dire, si jamais il ne veut pas du bébé et que toi, tu veux le garder, moi, je trouve que tu devrais le garder. Bon, si tu ne sais pas où aller, t'as qu'à venir ici, la maison est grande. Non. Enfin bon, voilà, je ne peux pas mieux te dire. Je ne sais pas comment te dire, de toute façon... Faut que j'y aille maintenant. Les autres vont se demander ce que je fabrique. Marielle! Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Rien. Qu'elle allait se promener, faire un petit tour. Et si elle était chez Pascal? Si ça se trouve, elle est retournée téléphoner? Attends, elle serait déjà rentrée depuis longtemps. Marielle qui découche, elle aura tout vu. Marielle! Marielle! Comment qu'elle peut être là? Arrête, c'est pas la peine de réveiller tout le monde, tu vois. Le matin, il bosse. C'est lui, il est pas en vacances. Viens, ça m'emmerde d'avoir tout laissé ouvert. Colombe, viens. Je commence à être inquiète quand même. Je me demande s'il ne faudrait pas qu'on appelle les flics. Elle est là. Marielle. Marielle. Non, on ne la réveille pas. Regarde. Elle sourit. Qui? Chut. Chut, c'est vrai. Marielle dort. J'aime trop ma franchise. Tu sais comment je l'appelais toujours? La souris grise. Ça la faisait hurler. Et moi, elle m'appelait la fée Clochette. Ah oui? Mmh. C'est drôle, la fée Clochette. Au fond du jardin, tu sais, c'était le mur aux fées. C'est quoi cette histoire? Dans le temps, là-bas, il y avait un vieux mur. Maintenant, il a à moitié effondré. De l'autre côté, on n'avait pas le droit d'y aller, c'était chez les voisins. Pascal, un jour, on m'a pris par la main et... Il m'a emmenée là. Il fallait se frayer un chemin parmi les hautes herbes. Enfin, hautes. J'étais toute petite. J'avais 6 ans. Mmh. Je devais avoir 8 ans. Et il y avait un trou dans le mur. Alors il m'a fait regarder. Ça, j'oublierai jamais. Et il m'a dit, tu vois derrière? C'est le pays des fées. Tu les vois? Alors moi, au début, je voyais rien du tout. En plus, il faisait presque nuit. Et puis, j'ai fini par les voir. Qui? Les fées? Oui. Je sais pas, j'ai dû rêver. En tout cas, je les ai vues. Qui dansaient parmi les hautes herbes. Je te jure. Je restais là une éternité à regarder ça. Quelques secondes. Tu me crois? Ah, moi aussi, je crois tout ce qu'on veut.
Alors Pascal m'a dit surtout pas un mot aux parents, c'est notre secret. Et il disparaissait des après-midi entières. Et quand il revenait, il me racontait qu'il avait été voir les fées. Mmh. Ah, moi, je voulais venir avec lui, mais il voulait pas. Il disait que j'étais trop petite. Alors j'ai supplié, supplié. Et il a fini par me promettre de m'y emmener quand je serai grande, le jour de mes 7 ans. Et après ça, il n'y a plus rien qu'à compter pour moi. Je ne pouvais plus dormir. Mes parents se demandaient ce qui se passait. Puis, le jour où mon anniversaire est arrivé, et alors, il m'a tout avoué. Il t'a avoué quoi? Il m'a dit, Jeanne, je ne veux plus te mentir. Tu sais, le mur, il n'y a rien derrière. Si les herbes n'ont pas été taillées, c'est parce que le champ est à l'abandon. Alors, je me suis sauvée. Je pleurais. Et je pleurais. Mes parents étaient complètement affolés. On a dû me donner des calmants, les somnifères de ma mère. J'ai rien à faire. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Tu dors. Je devrais me coucher. Déjà debout, Colombe? Je révise! Je voulais bronzer, mais t'as vu le temps qu'il fait? Il brille. Pour moi, les croissants? Oui, j'en ai déjà mangé. Fais gaffe, les plats de viande de ma mère, s'il te plaît. Passe par là, quoi. T'es mal luné aujourd'hui. T'as vu, on a fait la vaisselle. Remarque si la maison doit être fondue. Jeanne, t'as vu, on a fait la vaisselle. Tu sais où elle était hier soir? Avec Pascal. Elle veut pas me dire si elle a couché avec lui. T'es vraiment bête. En temps, je me suis perdue, c'est tout. Jeanne, t'es acheteuse. Non, c'est pas vrai. Pas un dimanche, quand même. Comment? Il paraît qu'ici, c'est interdit aux garçons. Je suis venue avec ma copine. C'est vrai, sa copine, tu danses tes cuisses. C'est pour moi, les fleurs. Colombe, c'est ça? Oui. Voici Huguette, la reine de la layette. Et remarquez, bientôt, j'en connais une autre. Viens, hein. Tu veux tes fleurs? Elle attend un petit bébé. Ah, elle est là. Oh, excuse-moi, Marielle. Bon, j'étais un peu lourd, je croyais qu'elles étaient au courant, moi. De toute façon, j'avais l'intention de leur dire. Pourquoi tu ne dis jamais rien? Quand même, Guette. Quelle pipelette. Et si tu veux, je serai la marraine. Voilà, ah, maintenant, comment est-ce qu'on le raisonnement par des vers de terre pour la pêche. C'est quoi, cette... Avec ça, on retourne à la terre, à chaque fois qu'on en trouve un, on le met dans le pot de confiture. T'es une cachotière. Oh, je suis même pas sûre de le garder. J'en ai un! Ah! Non! Pas devant! Oh, il est horrible! Ah, moi aussi j'en ai un là! Mais qu'est-ce que t'es gourde alors? Mais prends-le! J'étais de mauvaise humeur ce matin, je savais pas pourquoi en fait, je me rends compte. J'avais envie de te voir. Cette histoire de vacances entre filles, ça commence à. N'empêche, t'as changé. Depuis mes 10 ans, un peu quand même, ouais. Ah ben moi, je suis restée la même. Tout le monde croit que j'ai changé, mais non, je fais tout bien. Je travaille au ministère des Finances. Ah tiens, à propos, il faut que je te parle d'une histoire de TVA, un truc de... Ah non, j'ai pas envie, je te dis, alors tout, sauf ça. Je rigole, Jeanne. Joke. Tu vois,
Je suis restée une petite fille qui s'écorche les genoux en escaladant le mur au fait. Tu sais, Jeanne, j'étais môme. Il serait peut-être temps de me pardonner, non? Tu te rappelles avant, quand tout était simple, quand c'est les autres qui étaient grands? De quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Je parle du mur qui s'est dressé entre nous. Maintenant, comment on va faire? C'est trop tard! Cherchez partout. Regarde, ça forme, on en a plein des herbes de terre. Oh, hop, à la pêche, là. Mmh. Oh, bah, il ne veut pas être en hypoglycémie, les poissons, là. Hein. Bon, je crois qu'elle va tenir longtemps. Je sais pas, au moins le temps qu'on ait fini de préparer le déjeuner. La colombe, tu vas ravie? Au revoir. Je comprends rien. Dis, Marie, elle ne pouvait pas aller me chercher de la ciboulette. C'est juste derrière, là-bas. Dans le temps, il y avait un potager. Tu verras une petite touffe, c'est des petites tiges bien raides, bien vertes. T'en prends une poignée? Alors, c'est l'âme qui est dans un syllogisme. L'universel de la majeure ne peut être en même temps subordonné dans la mineure. Hé, il y en a qui veulent un apéro. Ah, moi, je veux bien. Celle-là, si je ne m'abuse, c'est de la prune. Mmh. En plus, elle a l'air fameuse. Là, pour l'agneau, que ça fait du bien vieillir. Je crois que j'ai fait l'autre bouteille. On va se la sauver. Chin chin. Non, 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 plus sec. Ah non, ce sera du gâteau. Plus sec. Ah, c'est fort. Mais on dirait de la grenadine. Allez, Marielle, tu l'as trouvée, la ciboulette? Ah oui, tiens. Je suis sûre qu'il y en a assez, hein. Je lui demande la ciboulette, elle me ramène la pelouse. Attends. Tu m'as dit des petites tiges, ça prend des petites tiges là. Vraiment, les parigotes. Ça se mange, hein? Moi, je suis hyper pressée, je vous dépose la tête parce que depuis ce matin, je sais pas si vous savez, mais la peine était de vous être là. Oui, je vais aller voir les filles, toute la journée, je vais aller voir les filles. Mais si ça vous embête. Oh, au contraire, tu rigoles, tiens, c'est la peine de grand-père. Oh, si c'est la peine de grand-père, ça se refuse pas, hein, ça se refuse pas. Hein. Elle peut goûter, mais elle va prendre une, celle-là. Et moi, j'ai bien mérité. Mmh. Toi, tu dois bosser après. Hein. Ah, on va préparer ses examens. Oui, j'ai vu ça. Section danse. Moi, je dirais
rigole, mais au bac, c'est comme ça qu'elle est sur le rameau à papa. J'ai retroussé ma jupe et l'examinateur, il en peut. Remarque. Bon, moi, j'y vais, les filles, on va aller au garage. T'es sage, toi, hein? Pressé, hein? Vous me la pourrissez pas trop quand même. T'inquiète, on va s'en occuper de ta petite. Et merci! Salut, papa! On va bien s'amuser. Ah oui, bien! Oh, hop, 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 hop! Ah non, je me sens responsable. Regarde-la qui gambade! Alors, Marielle, finalement, t'es décidée? Tu vas le garder, le bébé? Non, je sais pas encore. Tiens! Si je le fais passer, je crois pas que je dirai à Renaud. De toute façon, la dernière fois, ça a failli foutre en l'air notre mariage, alors. Je suis fatiguée. Qui c'est qui me porte? Pas moi. Mais si tu veux, c'est toi qui me portes. Jeanne, tu me portes? Oh, non, je t'en supplie. Dans 5 minutes, on est arrivé. Ok, je te jure, on arrive. Marielle? Bon, d'accord. Allez, hop, crabe là-dessus, tu verras mon martre. Crabe là-dessus, tu verras mon cul. C'est quoi, mon martre? C'est une colline à Paris. Si tu veux, tu viendras nous voir, je te ferai visiter. C'est la capitale, il faut que tu vois cette fois dans ta vie. Tu vas pas rester bouseuse éternellement. C'est génial, j'ai trop bon. Vous avez vu l'heure? Je commençais à m'inquiéter, moi. On te ramène ta princesse. Elle dort? Attends, je vais la prendre jusqu'à. Ouais, bonjour. Allez, viens, Marie, viens. Allez, viens. Voilà. Hop là. Tu veux de la poutine? Non, merci, pas ce soir. Oh la grosse mère! Papa, j'aime la poupée. Poupée? Waouh! Mmh. Allez, au dos, avec la poupée. Isabelle, Jeanne, laisse jouer. La télé, aux prises avec Deschamps. C'était incroyable ce matin que du striptease. Elle est allumée, Colombe. Striptease, toi. Tiens, passe-moi la main. Son pyjama, c'est juste. Sous toi, là. Qu'est-ce que t'as? Tu me fais la gueule? Tout va bien. Toi aussi, on dirait. Elle est mignonne, la fille, à côté. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien, je constate. Vraiment, elle est mignonne. C'est vrai? C'est un compliment, ça s'appelle. Bien sûr. C'est ridicule, je vois pas en quoi ça te regarde. En plus, tu te fais décider. C'est vrai, c'est une voisine, elle vient parce qu'elle a pas la télé. Décidément, les voisines qui ont pas la télé, qui ont pas le téléphone. Pratique. Bonsoir, mademoiselle. Cantona. Garde. Cantona. Pourquoi vous faites du bruit? Mais c'est rien, c'est la télé. Bardot. Amoros. Alors, petite mère, t'as passé une bonne journée? Klinsmann. Tu sais, il est tard, il faut que t'ailles te coucher. Allez, avec ta poupée, comment elle s'appelle? Je sais pas. Je m'appelle, j'ai sommeil. Allez, va au bidon.
Tu t'habilles pas? Non, je vais piquer ses fringues. Oh, Colombe, t'exagères. Ah non, laisse-moi conduire au moins. S'il te plaît, je comment tu veux que j'apprenne, hein? Oh, les filles! Vous allez où? Maman va pas s'en foutre. On va chercher des biscuits, on vient tout de suite. Merde! C'est chouette, les vacances. Elle avait pas l'air contente. Bah écoute, on va lui chercher des biscuits, c'est gentil, non? Elle a même pas pour 5 minutes. Fais gaffe! En plus, t'as même pas le permis. On se fait choper par les flics, on n'a pas l'air con. Y a pas de flics dans cette cambrousse! Le seul qui pue, c'est le garde champêtre. Arrête! Colombe, tu roules en plein milieu de la route! J'ai cru qu'on y passait. Tu veux me faire une fausse couche ou quoi? Elle est toute défoncée. Merde! Qu'est-ce qu'il va dire, Renaud? Ça va coûter une fortune. Je te le paye, c'est moi qui ai déconné. Bon, toi, tu le payes, t'as pas un rond, arrête de dire n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous arrive, les filles? Il y a un endroit où je peux me changer? Oui, bien sûr, à l'intérieur. Et Jeanne, elle est pas avec vous? Oh, merde, Jeanne, on l'a complètement oublié. Elle va nous tuer. Merci, c'est vraiment gentil de nous avoir accompagnés. Vous êtes sûr, vous voulez pas que je vous attende? Non, non, t'as assez emmerdé comme ça. La maison est pas loin. On va rentrer à pied. Salut, Jeanne! Il paraît que t'es toute nue, alors je descends pas. Dommage. Jeanne! On est là, on a eu un accident. Jeanne, t'es où? Écoute, c'est pas drôle. Jeanne! Jeanne, excuse-nous! Bah tiens, on se met à genoux si tu veux. À genoux dans la ciboulette. Mais arrête de déconner. Et si elle a une crampe, hein? Tu te rappelles l'histoire de la comtesse? Dis pas de conneries, elle est partie. Elle a même marre d'attendre. C'est ça, un poil sur la route. S'il lui arrivait quelque chose, je me le pardonnerai jamais.
a eu un accident, on a fait expédier une vache. Et après, on t'a cherché partout. Ça y est, vous m'avez trouvé. Alors, maintenant, vous dégagez, je ne veux plus vous voir. Tu te crois tout permis avec ta petite gueule qui plaît au mec? J'aurais fait ça à l'air. Tu te crois la plus forte? Il n'y a pas que toi sur cette terre, tu sais. Il y a aussi d'autres gens, des êtres humains, ça s'appelle. Rends-toi, tu ne vaux pas mieux, hein? C'est pas mieux de fermer sa gueule. C'est même pire parfois, t'es lâche. Une pute et une lâche. On allait tout de suite revenir. Mais je m'en fous! Ça m'intéresse pas! Je veux plus vous voir ici, c'est tout! Mon tu vas même faire une blague! J'allais voir, c'est pas du tout aussi mal! Vous vous tirez, il faut que j'appelle les flics! Et où sont mes vêtements d'abord? Qu'est-ce que vous en avez foutu là? Viens! Pas vrai, en plus, y'avait la clé dans la poche, sale conne! J'étais obligée de casser une vitre pour rentrer chez moi! Je vais t'appeler ta vie, chienne! Oh, t'en fais pas, rapport! Arrêtez! Arrête! C'est pas vrai. Je quitte Paris parce que j'en ai marre. J'arrive ici, je travaille beaucoup plus que le boulot, donc je sais pas comment me débarrasser. Vas-y, rien demander. Regarde-moi bien, ma belle, parce que tu me reverras plus jamais. Colombe! Écoute, Colombe, on peut pas la laisser comme ça. T'as vu dans quel état elle est? Ah, voilà, consolée, qui te l'empêche. Voilà, vous dis pas, tu m'habites-toi pas sur elle. Mais attends, ça va s'arranger, là, on est crevé, tout le monde s'énerve. Hein? J'en ai rien à tirer, cette bonne femme. Elle faut dire, je me casse. Colombe, tu m'attends 2 minutes, hein? 2 minutes, je vais juste aller lui parler. Va lui parler. Mais je te préviens, quand tu reviendras, il n'y aura plus personne. Comment c'est pas chouette? Je demande quelque chose, là. T'as bousillé la bagnole de Renaud, j'ai rien dit. Là, je te demande. Tu m'attends, tu bouges pas, je reviens tout de suite. J'ai trop peur de la laisser qu'elle fasse une connerie. Qu'est-ce qu'on va, cette corde à linge? Va la rejoindre, va. Écoute, réfléchis. Reste-moi cette nuit, tu verras demain. T'as oublié quelque chose? Oui, toi. Colombe n'a pas voulu revenir. Elle a même pas pris ses cours. Tu sais, les acheteurs de l'autre fois, ils sont repassés ce matin pendant que vous étiez au village. Je crois qu'ils vont prendre la maison. Tu vas retourner à Paris? Oui. Je pense, oui. Je vais encore rester là le temps de régler des paperasses, notaire, tout ça. Puis après, bon, j'ai pas de raison de m'éterniser. C'est triste. On va dire, je m'en fous. C'est vrai, j'ai retrouvé des vieux fantômes. Voilà, c'est bien, ça m'a fait plaisir. Là, ça y est. J'ai envie de tourner la page. Mais c'est Colombe. Qu'est-ce que tu fous avec ton sac? Tu te barres? Là, tu fais des heures sup. Oh là, oh. Vous avez retrouvé Jeanne? Oui, on l'a retrouvée. Elle est complètement achetée, ta copine. Hein. Elle est carrément malade, celle-là. Il faudrait vraiment la faire soigner. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Dumont? Elle nous a foutu dehors. Et en plus, elle m'a frappé. Jeanne, elle a jamais frappé quelqu'un de sa vie. Qu'est-ce que tu me racontes? Tiens, je pensais que c'était une amie. Ça m'apprendra, tiens. De toute façon, je me tire. Je me casse. Et tu vas où? Entre à Paris. Ah, bien sûr, à cette heure-là. Tu veux que j'aille? En stop, je suis dans 2 heures. Non, mais t'es folle ou quoi? Tu vas pas faire du stop comme ça? T'as vu comment t'es sapée, non? Bah quoi? Bon, moi, je suis sûre qu'il y a une bagnole qui va s'arrêter, tiens. Moi, je te laisse pas partir comme ça. Je t'ai rien demandé. J'en ai marre. Non, c'est quoi? C'est quoi? Merde, il aurait pu me prendre, lui! Connard! Allez, viens, viens. Je t'emmène à tour, là, t'auras un train. Elle a bien touché la voiture de ta frangine. Hein. La direction est complètement morte. Petite inspection des dégâts. Ouais. Regarde, tout fout les pieds. Tu veux voir une merveille? Mmh. Tiens. Regarde, ça fait des années qu'elle est là.
C'est la voiture de la comtesse. Quelle comtesse? Ah oui, les histoires de Jeanne. Oh oui, si tu veux, c'est la voiture de la comtesse. Pourquoi boire? C'est vrai que c'est une merveille. Je peux monter? Si madame la comtesse veut bien se donner la peine. Pardon. Où dois-je conduire madame la comtesse? Au bout du monde. Au bout du monde? C'est comme si c'était. Jeanne m'a traité de pute. Tu penses que je suis une pute? Comment veux-tu que je sache? Je te fais peur. Non, je te fais pas peur. Autrement, tu m'aurais pas emmenée jusqu'ici. Quoi? Si je savais quoi? Je vais te dire quelque chose, Colombe. Ça va te faire rire, surtout toi. J'ai pas touché une femme depuis qu'Odile est morte, voilà. Et Marielle, vous avez fait quoi? Vous avez joué au Scrabble? Tu devrais essayer, elle est championne au Scrabble. Mais de quoi je me mêle? Vous avez pas couché ensemble. Pourquoi tu ramènes toujours tout au cul? Parce que je suis une... Putain. Elle me l'a conté, c'est une putain. Elle couche avec son chauffeur, elle s'envoie tout le village, même. Tu savais pas? Je suis sûr qu'au fond, t'es pas comme ça. Qu'est-ce que tu cherches à me prouver, hein? J'ai des leçons à recevoir de personne, j'en ai reçu toute la journée des leçons. Pas touché une femme depuis que tu es morte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Cours de rattrapage, ça? Arrête, arrête ça tout de suite, basta, hein! Il y en a une qui passe à portée, qui a l'air plus facile que les autres. Elle t'a dit non, Marielle? C'est ça. Petite souris, guys, ça m'étonne pas. Qu'est-ce que c'est que les chouteuses de 20 ans qui aiment saouler dans mon garage? Allez, va faire du stop, va! Faut toujours que je salisse tout. Si tu veux. Avec Pascal. Tu me fais une petite place? Alors t'es contente? T'as eu ce que tu voulais? Et réponds. T'es fous tous, c'est ça? Tu crois pas que tu charries là, non? C'est qui ce type pour toi? Écoute, Maria, je te comprends pas. T'as un mari, tu l'aimes. Moi, je trouve personne. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me poser. Je sais pas pourquoi. Pascal? Pascal.
C'est pas quelqu'un pour moi. Tu comprends? Je suis pas assez solide. Lui non plus, il est pas assez solide. Il est désespéré, tu sais, Marielle. Moi, j'ai vu que je pouvais l'aider, je l'ai fait, c'est tout, voilà. J'ai pas honte. On est pareils tous les deux, aussi paumés l'un que l'autre. Moi, plus, moi, ça fait plus. J'ai appris ça en algèbre. Mais non, Colombe. Moi et moi, ça fait toujours moins. Tu devrais relire tes cours. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Tu vas le dire à Jeanne? Bien sûr que non. Je vois pas en quoi ça la regarde. Je veux pas la voir. Marielle, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu chuchoter, tu parles toute seule. Alors? T'es pas Agathe Mandou? Je peux venir avec vous? Elle a trouvé personne au sein du stove. C'était quoi ces confidences? On parlait du bébé, de Renaud, de la librairie, tout ça, quoi. T'es plus fâchée? Écoute, ça m'apprendra. Hein. La prochaine fois, je garderai mon maillot. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est vrai que c'est étrange. C'est comme si tout à coup, mon passé s'était réveillé en moi, je sais pas. Comme une angoisse, quoi, la peur d'être abandonnée. En tout cas, c'est toi qui as pris parce que t'étais là, mais... En fait, c'est à moi que j'avais envie de la donner, cette gifle. N'empêche, tu m'as fait mal. Pardon. Marielle, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Le sommeil, j'ai pas dormi de la nuit. C'est quoi ce petit lapin? C'est l'épicière, elle m'a donné. Elle voulait le tuer, alors moi j'ai dit, il est pas assez gros, il faut attendre un peu. Mais je le cache et puis elle l'aura jamais. Regarde, je le tiens bien au chaud, il a encore peur. Si ton père nous fait un civet de lapin, on saura d'où il vient. T'as pas intérêt à être méchante. Mais non, Léo, on dit ça pour rire. Marielle, coucou. Marielle? Qu'est-ce qu'il y a, André? Pourquoi tu pleures? C'est injuste. Injuste? Qu'est-ce qui t'injuste, moi? Pour Renaud. Renaud, mais quoi, Renaud? Je viens de téléphoner à la librairie. La vendeuse me dit qu'il est arrivé comme un fou furieux. Il avait perdu le papier avec l'adresse d'ici. Dans les clients, il a pris le tiroir, il a tout renversé par terre. Pourquoi est-ce dans un état pareil? Il va me quitter. Il est parti, il reviendra plus jamais. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ça? Mais c'est la vendeuse. Il criait, c'est le poissonnier, je veux le tire. Tu tires? Pour aller où? J'en sais rien. Il lâche tout. Il s'en fout complètement de la librairie. Après toutes ces années de travail. Mais il est où, là? On peut lui parler? Non. J'ai appelé à la maison, ça répond pas. Ça veut rien dire. Peut-être qu'il décroche pas. Je rentre à Paris. Je dois partir. Mon mari va pas bien du tout. Je peux pas l'abandonner. Et la voiture? Merde, on n'a pas la voiture! T'as les horaires de la gare? Dans la cuisine, au-dessus du buffet. Oh, c'est parce que je ne l'ai pas appelé depuis 3 jours, c'est pour ça. Il a dû paniquer. Hier que je suis allée chez Pascal, passer mon coup de fil. Il était encore au garage, je n'ai pas voulu le déranger. J'espère qu'ils sont bons, c'est bon. Attends. Écoute. T'as pas du tout le temps de faire tes bagages, quoi. Ou alors le prochain, c'est bien matin. Mon fou de mes bagages, attends pas. Bon, Léo, tu restes ici. Attends, il y a des temps. Au revoir, ma gueule. Au revoir, ma chérie. Au revoir, petit lapin. Thank you.
C'était le train de Paris? Pas encore, ça c'est celui qui vient de Paris. Le train pour Paris, c'est sur le quai en face à 18h05. Ah, oh, c'est bon, on a encore le temps. Tout avait si bien commencé. Renaud, qu'est-ce que tu fais là? C'est vraiment un jour, mais la librairie. Je voulais que je te vois, j'ai tellement de choses à te dire. Je sais pas par où commencer. Et comment t'as su que je venais? Moi, je venais très jeune. Je suis sûre, est-ce que tu seras? J'ai des poils de piété. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Laisse-moi te présenter Jeanne. Là, c'est Jeanne, c'est Renaud. Bonjour, c'est Jeanne. On a rien qui fait pas avec la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Non, non. Dieu, c'est ma faute. On roule un peu vite. Trois vélos pour quatre. Ça garantit que mon porte-bagages. Elle est loin, cette maison? Bah, pas tellement, mais quand même. Attends, un peu de marche à pied, ça peut me faire de mal. Non, tiens, prends mon vélo. J'ai une course à faire au village. Tu crois que je t'avais pas entendu? Je sais pas. Léo est pas avec toi? Non, elle est à la maison. Je crois qu'elle avait envie de rester dormir là-bas. Et la voiture de ma frangine? Mais elle est toujours perchée là-haut. Et les pièces arrivent demain normalement. Quoi tu veux? Là, je fais un petit mi-cadeau là. Écoute ça. Ça m'a pris ce matin. Écoute le bruit. Hey. Un coup de pot de chamois, 4 ou 9 et. On va se faire des balades. C'est vous, madame Schultz! Tu m'as manqué, Renaud. Mais ce bébé a moins de me bourrer le ventre de coups de poing, tu le feras pas s'en aller. Donc, qu'est-ce que tu me reproches, là, Marielle? C'est moi qui suis là ce soir, non? C'est pas quelqu'un d'autre. Dis-moi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui. C'est mon bébé. Puis toi, si tu veux, Renaud, mais c'est lui d'abord. Toi, je peux rien pour toi, si peu. Pour lui, je peux tout. Lui donner. Tu comprends? Cet enfant, il est de toi, Renaud. Mais je peux te dire maintenant qu'il pourrait être de n'importe qui, je l'aimerais autant. Alors je te demande simplement de me dire, c'est le mien, je l'aime. Sinon, tu peux en partir tout de suite. Je t'en tiendrai pas. Pas d'un battement de cils, pas d'une larme. Voilà, Renaud, je crois que j'ai rien oublié. Si t'as des questions à me poser, je t'écoute. Mais j'aimerais mieux quand même que tu me prennes dans tes bras. Puis que tu me serres très fort, sans rien dire. Pas encore. On peut entendre son cœur. Bientôt. Moi, quand je serai grande, je serai garagiste. Ah oui? Je vais jamais être décent. Papa, des fois, il me laisse. On peut vous aider? Merci, c'est déjà en train de cuire. Colombe n'est pas encore rentrée. On laisse, elle vit sa vie. Ça sent bon, c'est quoi? Ça, c'est la spécialité du chef. Petit poisson scorbut. Allez, viens, je te fais faire le tour du propriétaire. Allez, viens, je te fais faire le tour du propriétaire. Au secours.
Viens voir. Attends. Viens voir. T'as vu? Tu en revenais pas, j'ai tout de suite pensé à toi. Regarde cela, c'est l'édition originale. C'est les Moriri. Oh là là. Il faut qu'elle les emmène, elle ne peut pas les vendre avec la maison. Regarde, 1732. Scrabble. Non. Let compte tout. Eh, Jeanne, à propos. 24. Tu sais les livres de ta mère? Elle nous dit que c'est vraiment des pièces de musée. Ouais, franchement, il y a des éditions rares. Hein. Une vente aux enchères, ça peut atteindre des sommes astronomiques. Les collectionneurs, ils s'y arracheraient. Il n'y a pas besoin de voir la maison, alors. Non, c'est vrai? Ouais. Vous allez lui dire, mais il s'y connaît, hein, c'est le livre. Mais ça vaudrait le prix d'une maison, tu crois? Oh, largement, avec le terrain autour en plus. Je sais pas si je t'aime. Peut-être que je pourrais t'aimer si tu me restes le temps. Si moi, j'ai peur de tout. De quoi t'as peur? De toi. T'as déjà aimé une autre femme. Qu'est-ce que je vais faire avec les mortes? Mais toi, t'es vivante. Ouais, moi, je suis vivante. Si tu veux, on peut aller à Paris. Là ou ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire avec le garage? J'ai même pas de poignet. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis en train de te dire que je suis prêt à tout laisser tomber et tu... Tu fais chier, tiens. Moi, qu'est-ce que je vais faire d'une étudiante philo dans mon garage, tu peux me dire? Tu lui feras l'amour. J'ai été réveillé par les oiseaux ce matin. Colombe qui fait sa grasse matinée, comme d'habitude. Tu veux du café? Je viens d'en refaire. Moi. Tu sais, Marielle, si vous voulez, vous pouvez rester quelques jours. Ah non, ça me ferait plaisir. On n'avait pas de mec, tout ça, mais tu es bienvenue quand même. Ouais, on était bêtes. Non, à vrai dire, je crois qu'on va prendre quelques vacances tous les deux. Histoire de se retrouver. Enfin, dès qu'on aura la voiture. On pensait à un petit voyage à l'île de Ré. Quand on s'est mariés, on devait aller là-bas en voyage de noces. Réveiller Colombe, tu me vas à quelle heure elle est rentrée? Oh, dis donc, t'as fait vite, t'es adorable! Allô? Regarde ça! Alors, regarde ça! Merde. Ça serait vrai, je me ferais discuter. Mais arrête un peu de réparer les conneries de tout le monde! T'as rien de mieux à faire? Tu veux pas qu'à ton mari qui t'attend pour partir à l'île de Ré? Viens, Léo, viens m'aider à faire les bagages. Jeanne, t'as vu ce soleil? Une de ces pêches. Oui, ça se voit. Attends, t'as pas recommencé comme l'autre jour? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Jeanne, je te parle pour moi, s'il te plaît. Ding, ding. Oh, hé, t'en as déjà vu des comme ça, Marie? Tu veux dire? Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Jeanne! Jeanne, qu'est-ce que j'ai fait? C'est à cause de Colombe, c'est ça? Tu te fous de moi? Comme je pense que j'ai rien vu, je suis vraiment trop con. Mais on s'est pas vraiment caché. Hein. Oui, je m'en fous, vas-y, va la rejoindre, t'attends que ça, vas-y. Allez! Viens.
Viens, ils vont se demander ce qui se passe. Parce que j'attends ce qu'ils s'en aillent. Je veux plus les voir. C'est vrai, tu gardes la maison? Sans doute, j'en sais rien. Faut que je fasse avec ma mère. Tu sais ce qu'on dit? Plus ça va, plus on a de mal à se faire des amis d'enfance. Colombe, c'est, je sais pas, c'est... Même si c'est foutu d'avance, je m'en fous. Puis quand elle sera partie, c'est toi qui viendras me ramasser la petite cuillère. Hein? Léo est par là? Oui, elle est là-haut. Tiens, Jeanne. C'est notre téléphone. Oui. J'espère qu'on te voit à notre tour. Oui, on se voit. Oui, tu passes à la librairie, ça nous fera plaisir. Avec tu t'en vas aussi? Oui, je suis juste venue chercher mes affaires. Je crois qu'on a envie de partir seul tous les deux. Mais je m'en vais pas. C'est juste au village. Qu'est-ce que je vais me chercher, une de merde non plus, que je n'ai rien vu. La petite clochette. T'es pas obligée de partir, si tu peux rester. Mmh. Non, je m'en vais. Ça va mieux pour tout le monde. Allez, va vite faire une mise à jeune. À la maison. Vous pouvez nous déposer au village? Oui, allez-y, montez. Au revoir, Jean. Merci pour tout. Merci. Merci.